Votre attention s'il vous plaît. Ce vidéo est en lingala. Contactez-nous pour savoir si d'autres versions sont déjà disponibles. Ce vidéo est également un audio vidéo, il n'a pas d'image originaire du prédicateur. Nous sommes Christ et Quality Foundation, un organisme international d'évangélisation en anglais, français, espagnol et d'autres langues, dont le siège est aux USA. Notre département français vous présente cette audio-vidéo de l'enseignement du Dr Alain Condé. Contactez s'il vous plaît le Dr Alain Condé pour toute dispute de droit sur ce vidéo. Veuillez noter que, sous réserve des droits de tiers, les œuvres de Christ et Quality sont entièrement gratuites, libre copie et distribution. Nous vous encourageons de plutôt suivre nos vidéos directement depuis notre site web, evangileternel.com, et cela pour l'ordre des vidéos plutôt que sur YouTube. Suivez tous les jours le Dr Alain Condé. Sur évangileéternel.com et sur christequality.com/alaincondé.html. Ces enseignements sont disponibles en texte, audio, vidéo, en direct, à la radio et à la télé, tous accessibles depuis notre site web. Surtout ne partez pas sans souscrire à nos deux chaînes YouTube, Évangile Éternel et Christ et Quality YouTube Channel. À présent la rubrique, Pasteur et Thème, voulait suivre, le très excellent homme de Dieu le Dr Alain Condé, ministre de l'Évangile Éternel. Si vous avez besoin de tous les enseignements du Dr Alain Condé, allez sur christequality.com/alaincondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Encore une fois, notez que ce vidéo est en lingala. Contactez-nous pour savoir si d'autres versions sont déjà disponibles. Ce vidéo est également un audio vidéo, il n'a pas d'image originaire du prédicateur. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel 1 à 10, la troisième année, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi Josachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouze, sacrificateur dans les pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits. La plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme des lérins polis. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs quatre côtés et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les quatre une face de lion à droite, et tous les quatre une face de bœuf à gauche, et tous les quatre une face d'aigle. 10.
Ok. Premièrement, tout à l'heure, cette vision ici, les indignements qu'on a Matthieu chapitre 16, le verset 1 à 4, Israël ou la Tsenga qui est ici, nous venons du ciel. La Tsenga qui est ici, nous venons du ciel. Parce que si nous venons du ciel, qu'on a zopé sa yango, n'attend le peuple à Zanabou. Nous autres, c'est que ce film-là, c'est Matthieu chapitre 24, le verset 30. Il vient avec les noués. Attends, on peut l'aïa avec les anges. Voilà. Mais il y a un autre jour, on a les sous sur Ézéchiel chapitre 1. C'est Dieu qui vient avec les anges. C'est Dieu qui vient sur son char. Parce que peuple a zan abouumbu. Mais il y a quand on a peuple. Il y a un autre monde qui est en train de se faire. Voilà. Dengue de Tadassati. Alors, il y a un décortiqué. Dans le Bible, dans verset 4, je regardais et voici, il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Parce qu'on a un vent impétueux. On a précisé les sous-sous. Un petit wana. Mais tout à l'issue, premièrement, que ce vent-là où il y a tout le monde, c'est psaume 104. Psaume 104, le cœur Tanga Yango, le verset 3. Le verset 3. Psaume 104, verset 3. Il forme avec les eaux les faits de sa demeure. Il prend les nuées pour son char et s'avance sur les ailes du vent. Sur les ailes du vent. Zo verset 4. Il fait devant ses messagers des flammes de feu ses serviteurs. Pompé Hébreux 1, verset 7.
De plus, il dit des anges, il fait des anges, des esprits, et de ses serviteurs, une flamme de feu. Wanande, Zoutangande wana, Zoro. Jour wana pour Tangagirana wana. Hébreu chapitre 1er, le verset 7. Pourtant, on a une version, à lui, c'est bon. Le verset 7 est l'obi. De plus, il dit des anges. C'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Alicité, là, son nom est bien les anges des vents. Pour dire que maintenant, la zone a mon pépé, ma cache, on a vendu comme on a. C'était un ange. Nous avons demandé, ange. Voilà, ce qui a une forme, il y a vent un petit pour dire que c'est un vent destructeur. Vent un petit, c'est un vent destructeur. Voilà, vous avez Jérémie chapitre 4, verset 12 à 13. C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant je prononce leur sentence. Voici le destructeur s'avance comme les nuées. On a mis à mal à moi. Ces chars sont comme un tourbillon. Tangi Jérémie, chapitre 4, qu'on a toujours remarqué, et nous comme beaucoup très important. Ceux qui ont compris, comme on a dit, c'est la pensée Ézéchiel chapitre 1. Osez les versets 12 à 13. C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Le verset 13. Voici les destructeurs s'avancent comme les nuées. Ces chars sont comme un tourbillon. Ces chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. On va continuer. Zomona, c'est pas nos places. Pour dire que maintenant, Zomona, un vent impétueux, dans une âme de ces vents-là, ce sont des anges, mais qui viennent détruire. Est-ce que vous comprenez, hein? Selon cette écriture. Mais il faut faire très attention. On va revenir sur le roi de Babylone, on va détruire Israël. Mais lui, c'est aux une des vins, une petite pétale de Satan. C'est pas la démarche, c'est pas le secret. Premièrement, vin, ce sont les anges. Mais un pétier pour le vaseau y a côté va détruire. Et en gros, vaseau de la musique, le chapitre. Mais tu l'as dit que vaseau, mon avant, on peut le voir une grosse nuée. Une grosse nuée. Et comme une gerbe de feu. Voilà des prophètes à ce monde. Directement, il y a un peu de l'épisode du chapitre 14. Vous avez le verset
19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'étend derrière eux, et se passa entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Toujours mon place où on a nioué, Bazobengayango, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Et on a ce qu'on lit même dans Juges chapitre 13. On a qu'il y a Manouak. Mais Manouak n'a moins si naïf, c'était l'Éternel lui-même. Alors, Bazo représentait Niwe comme ange. Mais Niwe kakate, parce que ça la colonne de feu et colonne de Niwe. Ange wana banda vous appelez la forme aussi paye ya moto. Pour mon yera kitaki na tolobi ki nkolo na tango kitaki na Sinaï. Il était au milieu de feu. De Niwe, au milieu de feu et de Niwe. Il y a un peu de feu qui est le feu de Niwe. C'est quoi le nom de mon papier, c'est du moto. Et il y a là du moto au lieu de. C'était les anges. Il était au milieu des anges. Il va un jour, il va former ya, il forme pe ya ba, bon. Maintenant, un jour, il va former ya moto, il vient comme fait de feu. Il vient frapper. Alors, il y a tamis qui dit que montant la cité Sinaï, na awa, et c'est quel chapitre 1, c'est la même pensée. C'était toujours le chérubin. Voilà une peine de mettre à l'issue. Mais dans un monde, il y a une grosse nuée et une gerbe de fées. Et en fait, ça multiplie. Au lieu de bénir un seul ange, ce sont plusieurs anges. C'est un ange bébé. Alors, c'est ça au juste. Alors, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. La catégorie de l'oiseau, moi, je vais faire la et le coup n'a pas de moto. Pour mon aéro, sur la mesure pour le tambour. On va dire que c'est un autre menace. Au centre apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Dans un monde, quatre animaux, mais la tango dans un tas de ressemblance sur le coup d'un. Mais ce qui m'intéresse aussi, eux ils ont intéressé un gars qui ben y a mal aux bazons et dans les sept tentures. Sept tentures, moi les bazons bah outils là c'est pas tentures. Et on peut les voir comme ça mais bien les bazons. Or, maintenant, on peut sur le septentrion. Ce
dans Jérémie chapitre 47. Tu vas où? Il n'y a personne là? Ce que je suis, Jérémie chapitre 47. Babo Belarabi sur 70. Aujourd'hui, le verset 1. Qui verset 2 dans le monde? Isaïe 47. Jérémie 47, 1 à 2. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur les Philistins, avant que Pharaon frappât Gaza. Ainsi parle l'Éternel, voici des eaux s'élèvent du septentrion. Elles sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent les pays et ce qu'il contient. Les villes et leurs habitants, les hommes poussent des cris, tous les habitants du pays se lamentent. On va continuer. Et qu'on inonde les pays des Philistins. Alors, il faut nous retenir ça tout simplement que Mayo et Outarana septentrion, c'est la Babylone. C'est Babylone, c'est l'Euphrate. Bonjour, le bilan sur l'Euphrate. Zoli Soussou. Jérémie 46. Au bandit la verset. Bandit la verset 20. Jérémie 46, 20. L'Égypte. Jérémie 46, 10, 11, va sauter dans le 20. Ces jours est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie. Elle s'enivre de leur sang, car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galate, prends du baume. Vierge fille de l'Égypte, en vain, tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Le verset 20. L'Égypte est une très belle génisse. Les destructeurs viennent du Saint-Antrion, ils arrivent. Les fleuves Euphrate. Il y a un maillot où tu as un Saint-Antrion, c'est ça Euphrate. Et je vous ai demandé, c'est Babylone. De Bazomona, le chérubin va l'outil dans cette tente. Pour dire tout simplement que, à ce moment-là, déjà, on attend où va l'outil qu'on frappe dans cette tente. Bah, ça lui mentionne à cette tente parce que quand ils vont à cette tente, au septentrion, ils vont pas frapper cette tente. Le prophète a dit mon abandon qui va nous qui qu'on a c'est-à-dire vient nous frapper. Nous sommes bien dans un monde là-bas. Frapper quoi? Vous savez qui? Le pays de Babylone. Chic à Babylone. Des amours, l'une des autres lissa, baso précisé, septentrion. Faisons continuer lecture. Joie des Thessaloniciens 1, le verset 8, et le verset 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 8 à 10, et le Bible. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui
et de vous donner, toujours dans verset 7, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. On a Jésus-Christ au milieu d'une flamme de feu. C'est-à-dire, c'est ça, Ézéchiel, chapitre 1. Alors, nous pouvons comprendre seulement que Natango Bazomona et Lokomoko, ils ont brillé au milieu de la flamme de feu, comprendre ce que Jésus dit. Il est au milieu des anges. Natango Azoya, Azoya pour nous frapper. C'est ça, Ézéchiel, chapitre 1. Alors, Natango Bazota, l'aspect. Il y a Banyama, on le voit la ressemblance premièrement humaine. On va vous expliquer à vous. Ce qui va nous dire, ressemblance humaine, c'est Adam. C'est Adam. Homme, c'est Adam. Pour dire tout simplement qu'ils viennent frapper afin que possession à ma belle et puis ça n'est la bango. N'a qu'on développé en haut les choses au fur et à mesure, toujours continuer. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Leur pied était droit et la plante de leur pied était comme celle du pied d'un veau. La plante de leur pied, plante de leur pied. Yangouz, beaucoup la veau, beaucoup la gombe. Mais ressemblance, c'est l'homme. Mokolo. Plante de leur pied, Makololoko Langombe. Ils étaient scellés comme de leur impôt. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs quatre côtés. Et tous les quatre avaient leur face et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, et tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. C'est bien. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. Où l'esprit les poussait à aller. On est directement dans le livre, il y a Jean chapitre 4, le verset 24, Dieu est d'esprit. Dieu est d'esprit. Pour dire que, nous sommes tous là, nous sommes là, nous sommes mais bazo kamba maipa ya nkolo. On a respecté les critères ya psaume on a fait ça qui dit.
On appelle ça une écriture mauvaise, la somme de sang et de croix. Ça et quoi, je vais vous dire. Somme, sang et croix. Je vous ai donné une écriture. Talissa, ou appelle. Somme chapitre 103, le verset 20. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. C'est ça où les autalicètes, ils sont conduits par l'Esprit, pour dire qu'ils obéissent aux ordres de l'Éternel. Maintenant, si on a décortiqué un peu la ressemblance au Bapisti Babo, parce que la Talissa Goudine est que, quand on entend la lettre, ça c'est une décision. On entend la lettre et Abraham avec les anges, c'était aussi des chérubins, ces deux anges-là, au Bakelati, la Sodome et Gomorre. Frapper Sodome et Gomorre, mais bah, ça lui grâce, hein? Et pas y a l'autre. Hein? Il y a l'autre. Il m'a caché. Il va frapper Sodome et Gomorre. Parce que bon, moi, je dis, bah, on n'a pas faux. Moi, je dis, bah, on n'a pas faux. Mais place, on n'a pas faux. La forme humaine. Vous voyez que bah, Sodome et Gomorre, on entend que vous avez ça. Ils ont bien un bambou bateau. Ils ont pris la forme. Mais en réalité, ce n'était pas des hommes, c'était des anges. De ce côté ici, il est tout en tout. Tolobaki qui est, Natango Zomona, ange, Nama Papa, c'est l'oiseau du ciel, n'est-ce pas? C'est pour dire que c'est un être céleste. Mais ce qui a eu forme humaine pour dire que Moussala Mayazo qui se ressemble à la matière. On a souvent la forme nous il y a même quoi avec le seul salon nous on a souvent la forme il y a moto à comment les sous compagnons de l'engue Apocalypse 22 oui que les autres. Je suis ton compagnon d'œuvre. Il prend aussi cette forme-là. Compagnon. Il prend comme compagnon d'œuvre. Ma papou de Talissi était l'oiseau du ciel, c'est un être céleste. Pas ici, on dit moi. Un être céleste. Nous autres, là, un être céleste a commis les sous sur le col à moto. Maintenant, quand on a le col à moto, à Zalaka, compagnon, je suis ton compagnon. Voilà nos os vraiment simples, simples. Ndengeni ni omuni na epa ya manuak. Natango pasoki la forme humaine, il est venu comme étant un messager aussi.
C'est-à-dire à s'approcher par Yamoto. Parce qu'on attend à s'approcher avec pas Yamoto. Il faut avoir la forme humaine, sinon aussi maïs. On n'a même pas Manoa qui a ajouté la forme humaine pour dire que il s'approche près de l'homme. Même dans la maison d'Abraham, il y a du bon. Attends, la pousse, il y a pas d'Abraham, il y a cette forme-là. Ma joie, on a le bon, même ici, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que Nathan Otorota dit ça, la figure comme l'homme, en tout cas là, c'est totalisé à Adam par rapport à cela. Mais tu l'obéis sous ce que toujours Nathan Otozomona, il mène et Zunga par rapport à premier Adam aussi. Comme humain. C'est l'homme. L'humain nous rappelle ça à l'homme. L'humain, c'est l'homme. L'angoisse est l'herbe, c'est bien gagné. C'est comme on a reçu à homme. Chéribé. Comme un homme. Chéribé comme un homme. Ce que nous premièrement, chéribé comme un homme, c'est un témoignage que le colo a battu sa vie. L'esprit aussi devait prendre la chair. Premièrement, c'est un esprit. Mais comme une forme humaine. Et Banda Otalisake, l'esprit devait prendre aussi corps comme homme. L'Église Talisa m'occupait dans la maison d'Abraham. C'est bon. L'Église Talisa m'occupait dans ma noix qui n'a moi si naïe. L'Église réagit au Salema. Ma Jésus-Christ, pour te va bien naïe, voici l'homme. Mais en réalité, il n'était pas l'homme. Jésus était un ange. Nous allons regarder. Jésus a valagi ange. Mais aujourd'hui, Zodo. Qu'est-ce que ça veut dire ange aujourd'hui? Il y a un héros au monde à chérir. Azos a une forme humaine. C'est par rapport aussi, c'est prophétique aussi. Un esprit qui devait prendre corps. Ça nous change en dehors. En dehors, il y a pensé au tout à l'heure qui était, il s'approche près des hommes. Mais au bâti, si le Fils de Jésus Christ, le bâti, dans Matthieu chapitre 19, nous serons comme des anges. Nous serons comme des anges. Pour dire que l'ange peut n'attendre comme on a bango basé le rôle une forme humaine. Mais en réalité, ce ne sont pas des hommes. Parce qu'on a peine une forme humaine, mais ce ne sont pas des hommes. Et ma papa, je t'ai dit tout simplement que demeure ma bangou dans ma vérité. Forme humaine, dans la rappelle la forme et le col à moto, mais dans la moto. Voilà, je peux. Oh, yo, pour ce tarif.
Alors, en dehors Yawana, il y en a toujours à vérifier combien. Au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Quatre animaux oyo totalisaki yango soko tangi na verset. Verset 13. Dans la verset 13. Verset 13, il y a Ézéchiel 1er. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Ok. Vous avez mon, hein? Pour dire tout simplement que, na tango prophète azo mona ne bandeli, ayo ko pesa précision na 13 que, moto a ba mona ki, c'était ces animaux-là, c'était ces anges. C'était ces anges. Ah. Maintenant, ce qui m'étonne, ce sont des anges avec l'aspect humain, mais bazo benga bango, les animaux. Et na banyama o le bazolo be la place ou rekezumona bozomona toanyama parmi ba toanyama o tezomona wana tezomona ngombe après ngombe tozo komuna aigle après aigle tozo komuna lisusu leyo oni wazuta lisa sherebe aparo omu kini kone shoyisu. Alors, est-ce que Eza Azar n'engage pas Talisika à Banyama ou Nakak? Talisingombe, Talisi Aigle, Talisi Lion. Dès que l'obaki est introduit, qui sur Banyama Oyo. Côté lycée, premièrement, ce sont les esprits. Mais, ben, Nyamawana, ou tous les gens, par rapport à Misala, ou Yobazo, ou Sala sur la terre. Parce que, nous avons le barra par des images. Au moins, la talisie, ou à Soso. Et bien, continuez, il y a aussi le deuxième prophète. Rien à voir. Quand on a autant les olibata. C'est un langage. On a mon ilibata. Décortique ça si tu y as un prophète. C'est un langage. Il y a mon enzamba, c'est Dieu qui parle par des images. Mais en réalité, ce sont des esprits. Est-ce que c'est toujours là-bas? De ces questions, Talisa. L'image, il y a lion, Zanini. Image ya ngombe zani, image ya aigle zani. Après ça, ça fait homme. L'image, c'est quoi? Rapport à l'image. Mais tout à l'ici, premièrement, vous voyez, ici, azo ya ko frappe na azo sala grâce et pa ya ba mosusu. Voilà pourquoi na tango azo ya lokola lion. C'est par rapport ya le rugissement. C'est par rapport ya rugissement, non?
La colère du roi est comme le rugissement du lion. Pour dire que nakati na basherebe wana ya la portion du rugissement. Du proverbe, hein? Comme le rugissement du lion. Proverbe combien? Dans la Bible, vous ne lisez pas la Bible. 19-12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Wana zota lisanano par rapport ya basheribe wana. Fani. Yo kende uchia kwa. Ha? Zete somuna la portion de la colère. La colère du roi est comme le rugissement de Dieu. C'est la portion de la colère. Quel est l'état de la colère? La portion de la colère. Maintenant, tant que vous êtes Ngombe. Ngombe, c'est la portion du serviteur. C'est la portion du serviteur. On est même dans 1 Corinthiens chapitre 9. C'est la portion du serviteur. Et Nathan Mozo le Wangombe comme la portion du serviteur. Rendre service quoi. L'aigle se l'esquive la prophétie. Job, aigle Wamuna Moussika. C'est l'esprit de la prophétie. Wano yena livre ya Job. Mais homme et Ali Saralisusu, les voyants. On a polaire à l'obara. Soyez des hommes. Lui rose à la bavaya. On a eu aux hommes les sous. Les semblances n'a pas encore le temps. La forme humaine. L'homme, c'est aussi les vaillants. Vaillant, c'est un vaillant, ce sont des vaillants. Mais Israël est représenté car le roi est à la représentation présenté facilement. Parce qu'il doit être un vaillant. Oui, c'est là qui a pris sa peuple la victoire. Il n'y a pas de homme. Soyez des hommes. Est-ce que vous avez un homme? En réalité, vous avez un homme. Mais ceux qui m'ont dit, soyez des hommes, pour la zone, si c'est soyez des hommes, soyez des vaillants. Est-ce que vous avez un malade, non? Ouais. Dès que vous avez le bébé, c'est sur Lyon. Non. Pour que vous avez après Lyon par rapport à Lyon, justement, ok, sous la B. Après, par rapport à serviteur, serviteur. C'est l'aigle par rapport à l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. Il y a un aigle qui par rapport à ça. Le président n'a pas apprécié la vie. Ah. Donc, vous en avez. L'homme, le politique, c'est le vaillant. La tango basol, voici l'homme. Voici l'homme, c'est comme David ou basol présenté. Pour écouler Goliath. Voici l'homme. Oui, bien. Dans 1 Samuel chapitre 17. Voici l'homme. Alors, c'est un vaillant. Dieu Jésus n'a pas présenté. Voici l'homme. Pour dire que Batali n'a pas donné mieux sur la monde à ta motomogoto. Parmi les hommes, bah, comme on a la motomoko. Et on va le voir, voici l'homme. Un vaillant.
Alors, en tant que nous avons vu ma chérubin, la portion où il y a ressemblance humaine, les autres disent tout simplement que ce sont les fruits. Mais on nous dit sous l'aigle en dehors, il y a l'esprit de prophétie. C'est comme on dit l'aigle qui vole. Comme l'aigle qui vole. Alors il faut faire très attention. Hein. Pour l'aigle qui vole, il faut aller ça. Deutéronome chapitre 28. Le verset 59. Le verset 49 à 52. L'aigle n'a pas un vol, un vol rapide, il y a un capote, a touché sa proie. A quoi il y a Nicolo et a proie, selon cette écriture, on a pu signer. Nicolo est raison de ce qu'il y a qui Israël comme un aigle en Égypte. Pour dire qu'il y a un vol, il y a un vol rapide, pas à frapper l'Égypte, et à Kangoli, Israël. L'aigle qui vole. Il vient en ville, vol rapide, à s'abattre ma proie naïe. Maintenant, quand on s'abattre ma proie naïe, il le fait grâce à Israël. Donc, c'est l'aigle qui vole. Mais, bakoki ko tuna yo, mais pourquoi, bazotali, c'est tout simplement 4. C'est l'esprit à campement. Esprit à campement. Maintenant, nous sommes là. Il y a un mot de l'obélaka. Somme chapitre 34. On a pris ça bien au verset. Somme. Le 34, le verset 8. Hein? Bien. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, c'est-à-dire, et il les arrache au danger. Et maintenant, nous avons cette portion-là, il y a quatre, c'est-à-dire, c'est l'ange qui est en train de camper. Dengezana. Dengezana. Nombre chapitre 2. L'ange qui campe. Alors, le tel sera tout simplement que c'est le campement. Hein? Le nakati na campement wana, Nicolas Azo a arraché na danger. Aïe pour être arraché son peuple na danger. Et Nathan Wazoya a arraché son peuple en danger. Aïe la portion, il y a l'aigle qui vole. Et la portion, il y a lion pour dire qu'il y a zo bêta babikolo. Et Nathan Wazoya la portion, il y a homme. Et la portion, il y a veau. Azo ça la grâce et pas y'a peuple en danger. Parce que vous l'avez mal à moi. Il y a un moni position de présenter la chérie Ben Demboa. Qu'on a zo bêta, qu'on a zo sala grâce, et pas y'a paix. C'est comme Apocalypse chapitre 10. Il est rigide, mais là, il y a aussi l'arc-en-ciel. À côté, il y a aussi l'arc-en-ciel. Questions à lui. Par rapport à la corruption, ça m'a donné des ajouts dépliés. Oui, Fawana, par rapport à la révélation. Il y a pas ça.
Mais à bon mot, je vais dire moi. C'est tout un enseignement. Le bilan est mieux, c'est Tika la Kiwana Moutakala, Souda Bazir à Moubakaboun. Le bilan est mieux, c'est la Kiwana Outi, Wafi. Pas de problème. Au moins, 4 ans, on dit que c'est par rapport à l'ange qui campe pour arracher au danger. Deux, on a un aigle, les autres, ils ont des oiseaux, il y a qu'on frappe, parce qu'il exige le sang, il vient en vol rapide, il vient comme rugissement d'un lion, mais comme homme, et comme aussi ngombe, on a en tout cas la grâce et la paix pleine. Et à moi, de l'autre côté, ça. Généralement, nous en avons verset combien? Verset 5. Alors, verset 5. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Donc, on a une autre question par rapport à verset 4, c'est dans verset 5. J'ai regardé, voici. Il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme des lèvres polies, sortant du milieu du feu. Oui. Et par rapport aussi. C'est ça, dès Thessaloniciens 1, le verset 8 à 10. Okay. Ils ont brillé dans 4. Oui, ils ont brillé dans 4 comme des lèvres polies. C'est lui le Seigneur, au bas de la Katina Moto. Comprendre, hein? Mais il faut faire très attention. Même pour le haut, ce n'est pas l'effet physique. Hein? C'est une vision. Est-ce que tu comprends? Okay. Ce sont des chérubins, n'est-ce pas? Mais à ça, comme de l'air poli. Parce que la parole de l'Éternel est éprouvée. Hein? C'est un homme qui est éprouvé. Éprouvé, c'est un homme qui est éprouvé. Irréprochable. Vous voyez, le bélier, le mot de la bête, il est irréprochable. Éprouvé. Il est 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 éprouvé. Psaume chapitre 12, verset 7. C'est bien, moi j'aime comme ça. Psaume 12, verset 4. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuseux, et 7 fois épuré. Là, voilà. C'est-à-dire, quand on va signer, il y a purité. Signe, il y a irréprochable. Hein? C'est pourquoi vous le verrez, il m'a bêté. Il y a un monde qui a une tête qui a monté comme de l'air poli, c'est-à-dire la taille. Sur terre, ce que tu es en haut, vous êtes allé faire, il ne fallait pas aller quand on monte, on attend avec une matinée. C'est un robin. Non, on dirait la tête avec lui, parce que lui, c'est une réponse. Il est bien aussi comme je suis. Pardon? Et je suppose que c'est ça. Ça va donc mourir à son dernier comme le réponse. Moi, je suis ici, à l'heure qui est le prochain. C'est la dernière. Et je suppose que c'est ça. Mais total est qui a un peu pour vous justifier. Je ne sais pas la façon. Total est qui? Vous voyez les sous au psaume 119, le verset 140. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Verset 140, 119, 140. Pour dire que, à l'écran à mot, toi, avant de vous étaler ça.
moni loko wana na tangu pe ya zo ya na kati na moto bazo konsidere ba ange lokola ba moto foko ye baki pe bazo compare ye na metal hein sou maner c'est tout simplement que ce qu'on y a là, Ézéchiel chapitre 22 Nathalie Sabine B. C'est où on a les sources des autres Nathalie Sabine Ézéchiel chapitre 22 lecteur, vous apprenez? La voix qu'il dit. Aux yeux les versets 18 à 22. Je vais vous dire. Metal sera tout simplement que métal où il y a la salité, il y a des oeufs et des moto. Il y a un autre qui est qui est en train de se faire moto, il y a un autre qui est moto, il y a un autre qui est en train de se faire des on va comparer la métal où il y a la moto, il y a un autre qui est en train de se faire des choses. Mais bah vous voyez que tout n'a pourquoi bah vous voyez le coup la R1 bah vous voyez le coup la or ok le coup la argent bah comparer y na R1 R1 c'est pas pour la job non c'est pour te la job si pardon R1 bah on est sur lequel R1 monte dans le salon. Faut dire que c'est celui qui a vaincu la souffrance. Il y a l'homme à partir, il y a l'homme à souffrance. Mais sans oublier aussi que Bashi ou le Babanda pour y aller de sa tabernacle, pour Bashi ou la tabernacle dans le miroir. Moni ba hôtel ba tif de Rewana, c'était le miroir des femmes. Vous comprenez, hein? Tif de Rewana, Bastalon, le miroir y a Basi. Basi n'a qu'à la miroir, n'a pas noté dans la qui erre. Bon, néglige à rapé, aspect ou anaté. C'est l'erreur à salarapé, miroir. Sous cas un miroir. Azuya lokola R1 oyeza pire pour dire tout simplement que tous ces anges là sont reflétés en lui. Aza reflet ya bamonso. Nde ya bonde mutezo tali sete bakokolo de la sire ngombe ngombe wana komona ngo nakati na ye parce qu'il est l'erreur n'est-ce pas? Bazolo de la sire aigle, on a dit que c'est l'air. Parce que c'est l'air, c'est un miroir. Il y a l'homme, mais le véritable, c'est lui. Parce qu'il est le miroir. Il y a un miroir qui reflète la catina. Vous comprenez, hein? Mais c'est ça aussi, la perception de ce son. Il y a l'air, et nous retenons le tout qui s'en. On peut continuer l'autre. Parce que ça m'a dit tant, mais qu'il y a tant à mon tour. Vous avez une question? Bon, je vais faire la mise en main. On est là. Bon, on va dire la bise à quelques minutes. Parce que j'ai vu. Un de vous voulait pleurer. Le fond du table. Pleure. Je sais bien ce qui est aux autres par rapport à la parole. C'est Jean.
C'est ça un peu. T'as vu le verset chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Pour dire tout simplement que en réalité, dans le texte, c'est la quatre chérie. Verset 7, 6. Dans le texte, ça, quatre chérie. Parce que les quatre oiseaux, le bénin, c'est l'aigle, c'est le lion, c'est l'homme, c'est le veau. Hein? Dans on a quatre. Mais dans le biais, c'est quatre wanapé, chaque montage, c'est la quatre face. C'est compliqué. Par là, tu comprendras que tous sont semblables. Aigle, azomema, lion, azomema, homme, puis azomema, vous, n'est-ce pas? Il y a un nombre de autres à pour la hôtel, c'était en réalité. Bangonyo se baso formé. Pour Babingi Bango 4. Mais les 4 wana, bason yma, chaque moutaza na face ya mouninga na yi. Ils sont semblables. Bangonyo se baso koma. Et rogotala na aigle, ozomo na lion plaza kuna na kati. Ozomo na vo plaza kuna na kati. Otelite kuna, nenge moko kaka. Oza woko kana. Je pense que tout le monde va là-bas. Alors, il y a un autre Zobenga, l'esprit à ressemblance. L'esprit à ressemblance. Il y a un autre ici, premièrement. Nous avons un balancement des nuages. Hein? Parce que le balancement des nuages, vous voyez qu'on remarque les quatre faces, c'est la doctrine, la révélation, la connaissance et la prophétie. Mais Bango, nous se battons ensemble. Nous se battons ensemble. Nous avons dit que le passé qui a besoin de la doctrine, mais aussi de la prophétie. Le Bouddha. Nous avons besoin de la révélation. Ce qui m'a dit, c'est ici nous avons la doctrine du Christ. Cette doctrine, oh, ah, mais c'est le avec moi, c'est le côté, il y a des. Pas de problème. Il faut que Bilongi Moussoussou, bah, accompagne le pays. Mais c'est ça. Mais qu'on soit raté au bisset pour n'y avoir, oh, mais oh, tout qui. On est en atrocité par rapport à la chérie, hein. Ils ont la atrocité. Et ce qu'on a dit par rapport à Israël, Israël en tant qu'azo campé, azo se campé dans le groupe, hein? groupe. Mais Jida ou azo campé parfois dans la bande de mais en réalité, nous avons Jacob à l'obaki sur spécificité à chaque mois. Mais bango nous sommes tous à la grande zoto, mon corps est longi, mon corps. Les places où on a les tableaux, il y a ma banga et zokota. Maîtrisant, oui. Alors, on va t'en dire ce qu'il y a de l'économie. Tableau, il y a ma banga et zokota, awa. Par rapport au pays, il y a zokota. Maintenant, on voit qu'on remarque que le commun. C'est ici premièrement que Nathan vous a remarqué où on a mis la face, pour dire tout simplement que tous deviennent. Donc, on se basali un seul corps. Pour être baso memana. Bango na bango baso memana.
C'est ça l'esprit, il y a un seul corps. Nathan Ozomo, on a dit à Nicolas, on ne connaît que mon sous bazar. Pardon? Parce que les 12 ou bien en réalité c'est quoi? Ce sont les 12 apôtres. Mais mère, les mots des autres amis, ça va mourir. Cette mère-là, c'est Jésus. Les autres amis, ça va mourir. Ah, ma camboïsa est belle autour du Botanisa, même sur le plan prophétique. Mais le voir, nous avons un temps, nous avons bouqué, nous avons fait Sabine, on dirait, ma bouquée. Mais rien n'empêche. Autoroute pour fondre la paix. Autoroute pour fondre la paix. Nathalie Sinan Boyeke. Ézéchiel chapitre 1, c'est aussi Psaume chapitre 18. C'est aussi Psaume chapitre 18. Nous avons maintenant le Psaume chapitre 18. Pour comprendre le plus. Vous voyez, ma tâme à yango. Vous voyez, psaume chapitre 18. Vous voyez, le verset 7. Maintenant, le verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu au devant de lui, avant que tu te sois. Le lien de la mort m'avait environné et le torrent de la destruction m'avait épouvanté. Moto yoaza mayi zingiye maya minini zingiye azomi mona pe azana nkunda esa Israel o azana kati na Babilon. Maintenant fali nini asambeli era sambeli na verse uti balobi nini. La terre fut ébranlée et trembla, le fond. C'est ça. Aux hommes, hein? Wana Kolazoya au secours. Parce que Kolazoya qui est une voix intercesseur. Voix moko. Né directement au Yéna, psaume 99, le verset est à toi. Psaume 99, le verset est à toi. T'en as un mot? Psaume 99 est à toi. C'est aussi sa calamité. Et quand même, il y a une mais ces temps-là, ils ont mon colo du colo yachérine. Il y a un autre talisman de Ézéchiel 1 et psaume 18, et ça est loco, mon co. Ils ont talisman un temps où ils ont colo, ils ont frappé le bicolo, mais ils ont la grâce et pas à l'ibotanaï. Mais, temps où ils ont se divisé en quatre, pour que mon ayango, ces chiffres-là, 4, vous avez les 4 chérubins,
okomona bango na Apocalypse chapitre 7. Nazopesa bino wana nini na développe yango te po soki na développe yango kosilisa sikoyo. Apocalypse 7 ozomona 4 anges qui retiennent les 4 vents. On a besoin de prendre le rôle à quatre anges. Mais Ézéchiel a représenté le rôle à quatre chérubins. Ils retiennent les quatre vents. Alors, en dehors, il y a un autre qui a besoin de prendre le sous-sous. Dans Apocalypse 15, le verset 14, dans Apocalypse 9, pardon, le verset 14 à 15. Les quatre anges au bazo fongo la pote baya ko frappé le frac. Au bazala qui lié sur le frac. Ce sont ces quatre chérubins toujours au bazo de la wana. Parce que les chérubins, ce sont les anges. Mais maintenant, quand on va le faire chérubin, il va être dans les chiffres 4, 4, 4. Parce que Talisaka, c'est Dieu qui est dans les campements. Ou à la chérubin. Ben, on a posé une question, est-ce que le chérubin va dans la combien? Hein? Dans le bac, il n'a pas répondu à moi. Je vais répondre à ce qui va chercher nous dans la première. Alors, c'est ça, un peu le mouvement de l'Apocalypse chapitre 7, dans le mouvement de l'Apocalypse chapitre 9, le verset 14 à 15, mais c'est le bilagrache de Bango. Nous avons un tangwana, or tangwana est à la rallier, dans le premier fléau, dans le dernier fléau. Et Dieu va utiliser ses chérubins pour frapper. Mais voyez, vous remarquez que Joël chapitre 2. Moïse va nous frapper dans l'Égypte. Moïse a dit il y avait des anges derrière. Ce qui est, Joël chapitre 2 azur de c'est le jour de l'éternel comme étant le jour des ténèbres. Ténèbres, wana, ce ne sont pas ces ténèbres ici. Ces ténèbres, ils ont l'air de se faire dans Sinaï. Ma chérie, va continuer à me faire. C'est ça, ces ténèbres là, pour des choses qui vont vous frapper. C'est par rapport à la colère. C'est par rapport à la colère, mais Dieu aussi utilise les chérubins. Pour frapper. Voilà un peu. Oui, parce que ce moment-là, on attend la psaume 18 à 12. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. C'est ça. Après, il y avait des eaux obscures. C'est ça. Les eaux obscures, il y a moins bien les sombres nuages. Somme 18. Parce que les eaux obscures, il y a moins les sombres nuages. 12. Les eaux obscures, il y a moins bien les sombres nuages. C'est ce que là, hein? Ce qui te coûte dans le domaine, il y a l'icolo, ce sont des anges. Mais ce que l'on veut là par rapport à la création physique, nous voulons de la guerre et la pluie. Là, nous avons la création physique. Mais ce que c'est une création invisible, nous voulons de la guerre, là qui voit les anges. Est-ce que vous comprenez, madame? On a même le lot qu'on veut de la guerre par rapport à la création physique, nous voulons de la guerre par rapport à la création visible. D'où l'importance de maîtriser la création visible et la création invisible. Mais la création invisible, c'est l'obération de l'ange. La création où il y a l'invisible, donc on a géré par rapport, c'est la pluie.
Mboula wana ezane mboula ou ezo ya colère. Ça c'est la création physique. Bon, on tourne à quelques ma question. Votre question me sera qui par rapport à la temps prophétique. Dans votre tête qui n'est pas tête à la pensée qu'il y a révélation, psaume 18, il a baissé les cieux et il descendit en colo dans l'ombre. Pour les cas, c'est qui les tabernacles. Mais c'est ça aussi. Oui. C'est ça aussi, Ézéchiel chapitre 1, c'est ça, il a baissé les cieux. Ok, très bien. Il y a un peu de temps. Il y a un peu sur le plan prophétique qui est. Il a baissé les cieux, c'est quand aussi il vient avec les anges. Et dans les ciels, nous te quittons, dans ma belle. Par rapport à la tabernacle, je vous la consommation un peu plus. Ça m'a dit que tu n'as pas encore la tabernacle. Et la consolation. Oui, la consolation d'un peuple. Et d'un autre côté, par rapport à la tabernacle, le tambolaki. Consolation, oui. Je m'attends à la consolation. La consolation. C'est que c'est la désert. Hein? Oui. Par rapport à la désert, par rapport à la temple critique, dans la zone, bien sûr, la terre, comme tu appelles la terre, pour la paix. Je ne sais pas si tu fais du saut. Maintenant, la zone qui est le rôle à ta main. La terre, le rôle à la terre, c'est l'ange. Bon, d'être aux autres, ça veut venir le ciel comme l'escalier de Dieu. Nous avons la portion de l'un. C'est ici dans l'horaire du tabernacle de Kitaki, le véritable tabernacle de Jésus. Oui, à Kitaki, sur la terre. Côté Jésus, on a rappelé les chérubins. Mais oui, il y a même qui me coule. Maintenant, on va le dire, lui habite encore pour nous la sainte de Jésus. C'est un chérubin, mais qui vient avec la gloire. Pour moi, il y a un mot, c'est un chérubin, mais il y a un mot. Dans Ézéchiel chapitre 9, Ézéchiel chapitre 10, mais tant que je m'en kembo le mot les colo à chérubin. C'est ça la gloire qui a quitté Jésus-Christ. Père, Père, pourquoi m'a-t-il abandonné? Ce monde, hein? Alors, c'était au juste ça. Parce que chérubin, que tant que je m'en kembo le mot était la fin, il y en a. Mais, ils ont gagné sous le colo à chérubin. Mais on est allé ça va Jésus, hein? Gloire aux envois qui, Père, Père, pour ta matière abandonnée, de gloire aux envois des autres. Ézéchiel chapitre 9, mais Ézéchiel chapitre 10. Oui, ma question, mon ami, de ce qui est passé à ici. Père, je vais répondre. Mais les ciels aussi qui descendent, ils ont la carte, Ézéchiel chapitre 1. Enfin, je vais y en avoir un. Je vais me répéter dans ma délire. Jean, chapitre 1er. Le verset. verset 51. Et il lui dit : en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils des hommes. Pensez à monter et descendre. La vie, c'est que descendre et monter. Monter et descendre sur les fils des hommes. Sur le fils de l'homme. Par rapport à l'ange, question par ange. Alors, tout le monde a qui va dire désormais, vous verrez les anges, les ciels ouverts
de les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. Pourquoi le monter et descendre? Descendre et monter. Ah, pour dire que l'ange, le fils de l'homme, c'est lui l'échelle. Mais ange a coupé où t'en a dit qu'on a monté, il faut où t'en a fait après Maki. Voilà, hein? Il faut Mata à Kiki. Mais a coupé où t'es directement, n'a monté. Natango bazo mata, bazo kita, moutou était le saka le sommet, makol était le saka le bas de la montagne. C'est. N'a pas été raté que Barange Wana Bazalaka. Bazalaka banani, oh, c'est le ministre, c'est lui l'ange qui monte, qui descend. N'a pas été raconté parce que le ministre a la ange. Ministre, ange, le ministre, c'est un homme, l'ange, c'est l'esprit ministériel. Le ministre, c'est la moto. Mais ceux qui n'ont pas compris, penser à tout le monde, pourquoi pas, bazo ou t'as les colotés, bazo ou t'as les nassés, bambati. Moi, je suis un c'est par rapport à la position. Les autres sont les colos et les sommets. Les autres sont les sommets. Pour dire que Jésus-Christ est dans deux portions, il a la portion, il y a sommet, la portion, il y a portion à bas de la montagne. Par rapport à moi, parce que monter, descendre, ça c'est la montagne. Alors, comme on dit, en Gomba, avant la portion, il y a C, il y a Gomba, la portion, il y a Gomba. Mais yo ange, pour être sikoyo, vous glorifiez, il faut bandana la C, après, matin, la Nicolo, glorifier la Nicolo. C'est Waneta Lissaka, il y a une la croix, par rapport à la portion. Le grand pasteur était là. Et les anges glorifient le Seigneur par l'œuvre et la croix. Et puis, ils vont glorifier la Nicolas. Il y a moins de l'eau que les autres, c'est l'Apocalypse du chapitre 7. C'est ça, n'aille pas ça. Au moins, l'Apocalypse du chapitre 7, elle va mounier à Longhi. Maintenant, je vais vous dire de la Nicolas. Pour dire que ma bandit n'a fait, après, ils vont bâtir la Nicolas. Est-ce que vous comprenez, madame? Apocalypse 7. La gloire commence d'abord par là. Vous comprenez aussi? Ok. Donc est-ce que tout est compris que l'ingé d'âme a agi sur la terre, c'est-à-dire par rapport à Christ. Donc il a fallu que d'abord. Équilibrer la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun a nommé, chacun a nommé, chacun a nommé, chacun a nommé. Évangileéternel.com. Le signe de l'Évangile éternel. Si vous avez besoin de tous les enseignements du docteur Alain Condé, allez sur christequality.com/alaincondé.html. Ces enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à notre première YouTube channel, Évangile éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel, Christ et Quality. Souscrivez s'il vous plaît. Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre, allez sur evangileeternel.com ou sur christequality.com.
Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues, pour conquérir une audience mondiale. Que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. Évangileéternel.com. Le signe de l'Évangile éternel.